9. By. Chat. Votre. Grand. Ton. Me. Peu. Co. Joue. Se. Fait. L'un. Sagredo. Il n'y aurait donc aucune différence entre la Lune et la Terre? Galilée. Il semble que non. Sagredo. Il n'y a pas 10 ans qu'un homme nommé Giordano Bruno a été brûlé à Rome pour avoir soutenu la même idée? Galilée. Il n'y a pas de doute. Mets tes cieux au tube ce que tu vois. Il n'y a pas de différence entre le ciel et la terre. Aujourd'hui, nous sommes le 10 janvier 1610. L'humanité inscrite dans son journal. Ciel supprimé. Sagredo. Mais c'est affreux. Galilée. J'ai aussi découvert quelque Sarti Tretan. Le curateur. Galilée, je voulais transmettre mes réflexions sur le deux grands systèmes cosmiques à votre Cosmo. Ah oui, comment vous yeux? Galilée, pas très bien, votre excellence. Si vous permettez, j'ai ici les livres traitant. Cosmo, l'état de vos yeux me préoccupe. Vraiment, il me préoccupe. Cela prouve que vous employez peut-être avec un peu trop de sel votre tube renommée. Geht, ohne das Buch zu nehmen. Galilée. Comment? Il n'a même pas pris le livre? Cosmo, die Hofdamen betrachtend. Quelque chose ne serait pas sans ordre dans mes étoiles. Die alte Dame. Tout va bien avec vos étoiles. Seulement les messieurs se demandaient si elles existaient vraiment. Pause. Die junge Dame. On devrait marcher. Federsoni. Oui, et beaucoup d'autres choses à l'intérieur du tour. Galilée. Les messieurs, t'es reparé, oui ou non? Der philosophe. Bien sûr, bien sûr. Der mathématiker. Bien sûr. Pause. Plötzlich geht Andrea rechts zum Ausgang. Seine Mutter hält ihn auf. Frau Sarti. Que t'arrive-t-il? Andrea. In son Bett. Er geht. Der Philosoph. Pauvre enfant. Der Hofmarschall. Je vous fais remarquer que le bal officiel commence.
Galilei. Andrea. Comme ça, je lui demande ce gâteau. Galilei. Attention, Andrea, ne parle pas de nos idées aux autres gens. Andrea. Galilei. Les gens parlent entre eux. Andrea. C'est pourtant la vérité. Galilei. Ein Fenster gegenüber geht auf und eine Frau schaut heraus. Frau schreiend. Sauvez-vous, Jésus, en face, il n'est la peste! Der Mann läuft erschrocken weg. Galilei. Avez-vous vu ma femme de ménage? Die Frau. Votre femme de ménage s'est effondrée dans la rue. Elle te fait savoir, c'est pourquoi elle est partie. Sie schlägt das Fenster zu. Kinder kommen die Straße herunter, sehen Galilei und rennen schreiend weg. Da kommen zwei Soldaten gelaufen, ganz in Eisen. Die Soldaten. Entre dans la maison, immédiatement! Mit ihren Spießen schieben sie Galilei zurück in sein Haus und verrammeln die Tür hinter ihm. Galilei am Fenster. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé avec ma femme de ménage? Die Soldaten. On l'a emmené sur le pré. Die Frau erscheint wieder am Fenster. Toute la rue ici derrière est empestée. Pourquoi ne la fermez-vous pas? Die Soldaten ziehen einen Strick über die Straße. Die Frau. Mais maintenant personne ne pourra entrer dans notre maison. Vous n'avez pas besoin de fermer ici. Ici tout est sain. Hâte, hâte. Écoutez donc. Mon mari est en ville. Il ne pourra même plus rentrer. Salaud! Salaud! Man hört von innen her ihr Schluchzen und Schreien. Die Soldaten gehen ab. Sagredo. Ce ne sont donc que des constellations. Et où est Dieu, alors? Galilei. Que veux-tu dire par là? Sagredo. Dieu, où est Dieu? Galilei. Là-haut, sûrement pas. De même, si là-haut il y avait des êtres vivants, ils ne trouveraient pas Dieu sur notre terre. Sagredo. Et où est Dieu, alors? Galilei. Suis-je théologue? Je suis mathématicien! Sagredo. Avant tout, tu es un homme. Et je te demande, où est Dieu dans ton système cosmique? Galilei Zorni. En nous ou nulle part? Sagredo. Vilt. Comme le prétendait l'excommunié? Galilei. Comme le prétendait l'excommunié? Sagredo. C'est pourquoi on l'a brûlé sur le boucher. Il n'y a pas 10 ans que cela.